Ramirez, il y a 60 000 personnes qui attendent aux urgences. Nous sommes débordés. Ne vous inquiétez pas, Samantha. Le Medipol peut les accueillir. Je peux même faire 4 opérations simultanément dans les 12 blocs opératoires. Je pourrais même faire 58 000 consultations médicales sur un an sur les 90 000 mètres carrés. Vous êtes infatigable, docteur Ramirez. Je donnerai ma vie pour que le monde aille mieux, Samantha. Et docteur, tu peux arrêter de taper, s'il te plaît? Samantha, mettez monsieur Patrick Patient dans un accélérateur linéaire de particules. Oui, docteur Ramirez. Et donnez-moi les résultats de l'étude de l'analyse antibiorésistante que nous pouvons faire maintenant au Medipol. Nous pourrons traiter ainsi son cancer. Il en a, hélas, pas pour très longtemps. Mais quoi, c'est un cancer, ma chère? Mais je suis juste venue pour ma coupure au doigt et... Samantha. Oui, docteur Ramirez. Cela fait maintenant longtemps que vous êtes à mes côtés. Oui, docteur Ramirez. Vous êtes ma muse, ma confidente, même si vous portez une blouse XXXS. Oui, docteur Ramirez. Je ne puis y tenir plus longtemps. Il faut que je vous dise que... Oui, docteur Ramirez. Que... Oui, docteur Ramirez. Que j'aime la directrice du Medipol. C'est un malaise post-opératoire. Mettez-le sous Doliprane et Sparadrap 300. Emmenez-le aux urgences. Mais docteur, il n'y a pas d'ascenseur entre l'héliport et les urgences. Ah, je me disais bien aussi que c'était bizarre, cette salle d'opération à ciel ouvert sans rien. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez, docteur Ramirez, là? Vous voyez bien que je suis débordée. On est en plein déménagement, la majorité des bâtiments est vide. Et j'ai pas fini de compter les 50 milliards de francs qu'il faut payer maintenant. Mais comment on va payer les frais de fonctionnement, hein? Comment? Il faut que je vous dise que... Oui, parlez, docteur Ramirez. Que personne ne bouge. IGAS. L'inspection générale des affaires sociales. Vite, fuyons.